Bonjour et bienvenue dans ce webinaire IFProf. Aujourd'hui, nous allons parler d'éducation aux médias avec notre partenaire Un jour, une actu. Alors, l'éducation aux médias, c'est un sujet qui a visiblement éveillé votre curiosité puisque vous êtes plus de 300 à vous être inscrits à ce webinaire et vous venez aujourd'hui de plus de 40 pays. Donc, c'est la moitié, un peu plus de la moitié des pays qui sont présents sur le réseau social IFProf qui rassemble à ce jour 67 pays du monde entier. Je voudrais saluer en particulier des professeurs qui se sont inscrits, qui viennent de pays tout nouveaux sur IFProf, comme l'Algérie, le Japon, la Suède, les Pays-Bas ou encore l'Arabie Saoudite. On est très contents de vous voir et de vous compter parmi nous aujourd'hui. Pour me présenter, moi je m'appelle Colline Durand, je travaille à l'Institut français de Paris sur le développement d'IFProf. Et nous avons invité aujourd'hui deux personnes qui travaillent à Toulouse et que vous allez voir dans un instant, qui travaillent sur les médias Un jour une actu et les reporters du monde. Je vous en dirai plus dans quelques instants. En préparant ce webinaire, j'ai cherché un petit peu ce qu'on pouvait trouver sur IFProf dans le domaine de l'éducation aux médias. Et j'ai trouvé quelques ressources qui avaient été partagées par des membres de la communauté que vous pouvez voir à l'écran si on affiche la liste des résultats que l'on trouve lorsqu'on tape dans le moteur de recherche « éducation aux médias ». Alors, on ne va pas vous le montrer tout de suite, mais en tout cas, sachez qu'il y a quelques ressources qui ont été partagées par les membres sur IFProf. Et on vous le montrera peut-être tout à l'heure, mais en tout cas, sachez que pour aller plus loin sur le thème de l'éducation aux médias, vous pouvez consulter notre profil partenaire Un jour, une actu, les reporters du monde, qui est un compte, un profil sur IFProf. Et vous pouvez inviter ce partenaire à devenir votre collègue, ce qui vous permettra d'être alerté des publications d'Un jour, une actu, les reporters du monde. Alors, qu'est-ce que c'est très rapidement, Un jour, une actu, c'est un site d'actualité pour les enfants, qui est donc chez Milan Presse. Et les reporters du monde, c'est une plateforme d'éducation aux médias qui dépend aussi de Milan Presse. Et les personnes qui vont vous parler plus en détail de ce sujet sont Marie Révillon, qui est la rédactrice en chef adjointe pour la rédaction d'Un jour une actu. On va peut-être afficher la caméra de nos deux invités qui sont à Toulouse pour que vous puissiez déjà voir leur visage. Donc, bonjour. Marie Révillon et Jean-Luc Monchy, qui est chef de projet pour les reporters du Monde. Alors, on essaye d'établir la connexion avec Toulouse. Bonjour. Voilà. Alors, on ne vous voit du côté de Paris, on ne vous voit pas encore à Toulouse, mais ça va peut-être venir dans quelques instants. On peut aussi demander aux personnes... C'est bon D'accord, on vous voit. Avant de vous laisser la parole, je vais juste rappeler comment va se dérouler ce webinaire. Donc, pendant 30 minutes, on va écouter Marie Révillon et Jean-Luc Monchy. Et ensuite, pendant ces 30 minutes, vous tous, vous qui nous écoutez, vous pouvez laisser vos questions dans le chat par écrit. Et à la fin, pendant les 10 minutes restantes, après les présentations, on pourra retransmettre vos questions à nos invités pour qu'ils puissent vous répondre en direct. Donc, n'hésitez pas à laisser vos questions par écrit dans le chat. Marie et Jean-Luc, je crois que vous vouliez tout d'abord nous dire deux mots sur Milan Presse. On vous laisse la parole. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Merci Colline. Merci à IFProf de nous inviter pour ce webinaire. On est très, très heureux d'être ici pour partager cette petite heure avec vous et pour... vous présenter la plateforme d'éducation aux médias, les reporters du monde, et pour échanger avec vous sur l'éducation aux médias au sens large. Effectivement, donc, alors nous, Jean-Luc. Désolée de vous interrompre, nous on a un souci au niveau du son, on n'entend pas très bien. Est-ce que les autres personnes qui suivent le webinaire peuvent nous indiquer si elles vous entendent bien dans le chat? Il faut qu'on parle pour dire si on nous entend. Est-ce que vous nous entendez? Bonjour. Oui, vous entendez bien, on entend très bien en Tunisie. On continue à parler, vous nous entendez? Oui, très bien, les gens ont l'air de très bien entendre partout. Donc, ça vient peut-être de notre connexion à nous, je ne sais pas. Très bien en Italie également,
Globalement, on n'a pas de réponse négative au niveau du son. À Fès, ça passe parfaitement. J'ai vu un pas très bien. Oui, de la Lituanie. Globalement, ça a l'air de passer très bien. Ouais. Ok. Quand c'est une seule personne qui parle, ça va. On va essayer de ne pas parler en même temps. Alors, en Turquie, ça va bien aussi. Oui, je vous entends, mais je ne vous vois pas. Colline, vous nous voyez bien ? C'est quoi ? On va essayer de régler le... Voilà. C'est bon, on a trouvé une solution de l'autre côté. Très bien. D'accord. Donc, on va pouvoir reprendre la présentation. Très bien. Donc, on travaille tous les deux chez Milan Presse, comme l'a dit Colline. Deux mots sur Milan Presse, juste pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, nous, on est un éditeur de presse, de livres et numérique. C'est les trois métiers de Milan Presse. On est basé à Toulouse. Donc, c'est une entreprise qui compte environ 300 personnes. Et au niveau de Milan Presse, qui édite une quinzaine de magazines. Donc, vous connaissez peut-être, je vais vous en montrer quelques-uns, Picotis, Histoire pour les petits, Toupie, Waku, J'apprends à lire, Toboggan, Manon, Mort de lire qui est un petit nouveau, Wapiti, Curieux Note des sciences qui a été lancé cette année, Julie, Géoado, et bien sûr, le magazine qui nous préoccupe aujourd'hui, Un jour une actu. Donc, c'est un hebdomadaire d'actualité. D'accord. Voilà. Milan Presse, c'est environ 6 millions de lecteurs tous les mois, 380 000 abonnés, pour vous donner quelques chiffres. Et donc, avec des magazines présents en France et dans le monde entier, pour un objectif simple qui est d'accompagner les enfants à aimer la lecture et dans tout ce qu'elle peut apporter. Voilà, globalement, ce qu'on peut dire en quelques mots de Milan Presse. D'accord. Et justement, concernant l'actualité, comment est-ce qu'on peut, selon vous, avec vos outils, parler d'actualité, faire de l'éducation aux médias en classe avec un jeune public ? Alors nous, par rapport à l'éducation aux médias et à l'information, ça fait longtemps qu'on la traite ici, mais c'est vrai que... Il y a eu vraiment depuis quelques années une prise de conscience et une accélération de l'importance de traiter l'éducation aux médias et à l'information, notamment depuis les attentats en France de Charlie Hebdo en 2015. L'éducation aux médias et à l'information est devenue obligatoire dans les programmes scolaires, notamment du cycle 3 en EMC. Et donc, dans le cadre de l'école primaire, les enseignants en France sont souvent démunis pour faire de l'éducation aux médias voilà, en cycle 3, cycle 4, on va dire. Et donc, nous, on a fortement investi cette problématique qui nous semble essentielle à l'heure des réseaux sociaux. Pour vous le dire simplement, notre conviction à Milan, c'est-à-dire jusqu'à 6-7 ans au maximum et que les enfants soient épargnés des écrans ou sur des temps très mesuré. À partir de 12-13 ans, ils sont de toute façon acteurs sur les réseaux sociaux. Donc, on a un laps de temps, là, entre 8 et 12 ans, où on peut éduquer aux médias et leur apprendre quelques bonnes pratiques. Et c'est sur ce constat-là qu'on s'est dit qu'on allait développer une plateforme d'éducation aux médias à l'information, donc pour les 8-14 ans, avec un objectif simple, c'est qu'elle soit accessible au plus grand nombre, d'où notre idée de la donner en accès libre et aussi de la donner avec un intermédiaire adulte pour accompagner cette éducation aux médias, parce que c'est difficile pour l'enfant de se l'approprier seul. D'accord. Est-ce que vous pouvez éventuellement nous en dire un petit peu plus sur la genèse du projet, en fait, comment vous en êtes arrivé à proposer un jour une actu ? Alors, la genèse du projet, c'est d'abord, on avait un site internet qui fonctionnait très bien, comme vous l'avez rappelé, unjourunactu.com. On a environ 300 000 visiteurs uniques aujourd'hui par mois. On a, de cette expérience très positive, on a lancé un hebdomadaire. Mais là, on est vraiment dans cette phase qui est le décryptage de l'information. C'est-à-dire qu'on donne
de l'information accessible à hauteur d'enfant. Mais l'enfant n'est pas acteur à ce stade. Donc, on nous a demandé beaucoup au niveau des enseignants et aussi du périscolaire si on pouvait aller plus loin et aller jusqu'à un outil qui pouvait leur permettre de produire de l'information et de leur apprendre à en produire. D'accord. D'où l'idée de développer cette plateforme d'éducation aux médias, les reporters du monde, où on va retrouver les trois espaces, s'informer, s'entraîner, produire. D'accord. Peut-être que vous pouvez nous présenter la plateforme et les outils qui sont à disposition à la fois des apprenants et à la fois des professeurs ? Tout à fait. On peut partager l'écran dès maintenant ? Oui, on va faire un partage d'écran si vous voulez pour voilà. Accompagner par des illustrations du site vos explications. Très bien. Donc, je fais le partage d'écran et puis si les gens peuvent réagir s'ils voient bien l'écran partagé. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous voyez bien l'écran ? À Paris, on voit bien l'écran. Parfait, très bien. Je pense oui. Que partout ailleurs, ça a l'air d'aller aussi. Ça a l'air de fonctionner. Bah alors, c'est parti. C'est parti. Alors, on va vous présenter un jour une actu, les reporters du monde. Donc, vous voyez, c'est une plateforme très simple qui a deux objectifs. Le premier objectif, c'est d'apprendre à produire de l'information avec un certain nombre de codes. Le second, c'est de pouvoir la partager avec des classes du monde. Mm-hmm. Et pour atteindre ces deux objectifs, on a comme un parcours, en tout cas, on a différentes étapes. La première étape dont je parlais tout à l'heure, qui est l'espace s'informer, dans lequel on va explorer et décoder l'actualité, une actualité mise à hauteur d'enfant. Mm-hmm. Dans le deuxième espace, on va apprendre, on va jouer avec les notions de journalisme, on va apprendre les fondamentaux du métier de journaliste. Et dans le troisième espace, on va créer ses propres articles. D'accord. En fait, notre idée, c'est qu'un enfant, pour pouvoir comprendre comment est fabriquée l'information et pouvoir vraiment être à l'affût, bien comprendre les articles, il a besoin de produire de l'information pour comprendre comment elle est faite. Et c'est vraiment l'esprit de cette plateforme et de ces trois espaces. C'est pour ça qu'on retrouve s'informer, où l'enfant va trouver des articles pour comprendre l'actualité. Mais en la produisant, il va mieux comprendre cette actualité, comment elle est faite, et ça va l'aider après à comprendre les informations qu'il va entendre autour de lui. Mmh. Voilà, parce qu'effectivement, dans cette première partie s'informer, on aide les adultes globalement à répondre à la multitude des questions que se posent les enfants de 7-8 ans. Nous, on reçoit 300 à 350 questions par semaine d'enfants. Et on choisit de répondre au maximum à leurs questions, qu'ils ont entendues au journal télévisé, à la radio, dans la voiture le matin ou à n'importe quel moment. Ils sont confrontés à un flux d'informations qu'ils n'arrivent pas forcément à gérer. Et donc, on essaye de leur expliquer les notions, qui sont des mots d'adultes, et les mettre à leur niveau. Si je peux vous présenter d'abord l'espace s'informer, vous trouvez ici donc un flux d'informations qui vient de citeunjourunactu.com. Vous avez des actualités quotidiennes, des vidéos, un jour une question, des articles coup de cœur, des photos décodées et des exposés. Si vous cliquez sur toutes les actualités, c'est rangé par ordre de publication. Donc là, vous voyez l'article qui a été publié aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On n'a pas le droit de publier n'importe quoi. Vous avez ces petits vignettes qui montrent que c'est une vidéo. Donc, par exemple, je vais vous montrer une vidéo en espérant que vous l'entendrez bien. C'est une vidéo qui s'intitule « C'est quoi une espèce menacée ?». Il faut savoir que des vidéos de ce type-là, il y en a 500 sur la plateforme aujourd'hui qui, à chaque fois, expliquent une notion. C'est des vidéos qui sont coproduites avec France Télévisions et qui passe tous les jours sur France 4, donc que dans vos différents pays, vous pouvez peut-être avoir la chance de voir, notamment sur TV5. Donc, je vais en lancer une pour ceux qui ne connaissent pas. Ça dure 1 minute 30 et après, je reprends la main. Ok. À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi, ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui, lui ? Un jour, une question. C'est quoi une espèce menacée ? C'est un animal ou un végétal qui risque de disparaître à jamais de la surface de notre Terre. Aujourd'hui, une espèce disparaît toutes les 13 minutes. Et les prévisions sont alarmantes. Un mammifère sur 4, un oiseau sur 8 et un amphibien sur 3 pourraient s'éteindre dans un futur proche. Mais comment se fait-il que les espèces sont menacées ?
Depuis l'apparition de la vie sur notre planète, le nombre d'espèces évolue en permanence. Certains meurent tandis que d'autres apparaissent. La plupart des espèces disparaissent naturellement, mais l'activité humaine accélère ces phénomènes. Pour construire des habitations et des routes, cultiver ou pêcher notre nourriture, les territoires des animaux ou des plantes sont réduits ou détruits. La pollution océanique fait fondre la banquise où vit l'ours polaire. Les insecticides qui déciment les abeilles, les trafics sauvages de l'ivoire de l'éléphant, de la corne du rhinocéros et de l'aileron du requin menacent la survie de ces espèces. Chaque année, l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, dresse la liste rouge des espèces animales et végétales menacées. Sur 80 000 espèces étudiées, 23 250 sont classées en danger critique, en danger ou vulnérable. La liste rouge attire l'attention des politiques et du public et invite à mettre en place des actions de protection. Et ça marche. Pour la première fois depuis 100 ans, la population des tigres sauvages a augmenté. Une bonne nouvelle, fruit d'un gros travail de protection de l'animal. Tu te poses des questions ? Oui, on y répond. Voilà, j'espère que cette vidéo était bien audible par tous. En tout cas, ça montre, voilà, encore une fois, qu'on explique des notions qui ne sont pas forcément simples pour un enfant de 8 ans. Une espèce menacée, ça veut dire quoi ? De manière très, avec un dessin de Jacques Azam. Et on en a produit donc 500 qui sont accessibles, qui sont en accès libre sur cette plateforme. Mmh. On a aussi, donc dans l'espace Les Actus, des articles qui sont écrits chaque jour par la rédaction d'Un jour une actu et qu'on retrouve ici en accès libre. Par exemple, si je reprends une actualité triste mais internationale, pourquoi l'Indonésie est-elle souvent touchée par des catastrophes naturelles ? Là, ça va permettre aussi aux enseignants de travailler la compréhension à partir d'un événement d'actualité, la compréhension écrite. Et donc là, vous avez un article écrit par des journalistes, avec des éléments très factuels qui permettent de travailler autour de l'actualité et de l'apprentissage ou de la compréhension du français. Donc là, on est dans la partie décoder, comprendre le monde. Et vous avez, je ne vais pas vous faire toutes les passes, mais vous avez donc aussi des articles coup de cœur qui ont été des articles mis en avant par la rédaction, des articles publiés par les reporters du Monde. Vous avez un espace de photo décodé qui apprend à lire et à comprendre une image et puis un espace d'exposé. Voilà pour l'espace s'informer. Et donc là, on arrive au deuxième espace qui est s'entraîner. Tout à fait. Donc, je continue, Colline. Oui, allez-y. Très bien. Dans l'espace s'entraîner, vous avez deux espaces. Vous avez les défis reporters et les quiz. Donc, dans l'espace des défis reporters, on va retrouver ici des serious games. Donc là, on va jouer à apprendre les fondamentaux du métier de journalisme. Pour une fois qu'on va être producteur d'informations, comme je le disais, à 12-13 ans, on aura des réflexes, on espère en tout cas que les enfants qui auront utilisé cette plateforme auront un certain nombre de réflexes sur ce qu'est une information. Ça veut dire qu'on ne retweete pas n'importe quoi, on ne publie pas n'importe quoi sans avoir un minimum réfléchi, peut-être poser la question d'où vient cette information, comment elle était construite, etc. Et ces petits jeux nous aident à avoir ces réflexes, exactement. Donc là, c'est pareil, il y en a 5, et je vais vous en montrer que 2 rapidement. Mm-hmm. Mais vous avez un classique qui s'appelle « Répondre aux questions qui, quoi, où, quand, pourquoi ». Oups, ces 3 articles de blog ont été mélangés. À toi de les reconstituer. Comment ? Tu peux déplacer chaque morceau d'article d'une colonne à une autre, mais aussi dans une même colonne. Voici une astuce. Les 3 articles sont composés de la même manière. Un titre, un chapeau, un petit résumé de l'article, une photo, sa légende et enfin le corps du texte. Si tu veux revoir l'exemple, utilise le bouton Aide. À toi de jouer. Vous voyez, donc c'est tout simple. Il s'agit ici de lire le texte et de le remettre dans le bon ordre. Je ne vais pas le faire évidemment en entier, mais ce simple exercice apprend à l'enfant qu'une photo toute seule, on peut lui faire dire n'importe quoi. Et qu'une photo avec un titre, une photo légendée, c'est essentiel pour comprendre l'information qu'il y a derrière.
Voilà, donc là, je vais pas faire l'exercice pour vous, mais c'est un apprentissage assez simple de comment doit être structurée une information pour qu'elle ait du sens. Je peux vous montrer un deuxième défi reporter, qui est par exemple créer et organiser des questions pour une interview. N'hésitez pas à poser les questions si vous en avez au fil du webinaire, on y répondra à la fin aussi. Il y a beaucoup de questions et aussi beaucoup de commentaires sur des professeurs qui disent utiliser vos ressources. Avant de lui poser des questions, choisis le magazine pour lequel tu veux travailler. Musique, une revue culturelle de musique. Flash, un magazine people. Ou bien News, un magazine de société et d'actualité. Sélectionne une couverture. Nos lecteurs sont des passionnés de musique. Ils veulent tout savoir sur la carrière de leur star préférée. Concentre-toi sur la vie artistique de Missy Lala. Concerts, albums, clips, et essaie de trouver des infos exclusives pour les fans. On compte sur toi. Pour commencer l'interview, utilise le micro. Tu peux poser cette question à Missy Lala. Et pense bien à chaque étape aux consignes données par ton rédacteur en chef. C'est à toi. Voilà, donc là, l'idée assez simple, c'est de se dire que qu'on écrive pour un magazine comme Musique, enfin, qu'on écrive par exemple pour Libération ou qu'on écrive pour L'Humanité ou qu'on écrive pour Le Figaro, on n'aura pas le même angle. Et du coup, on apprend qu'il y a une ligne éditoriale à respecter. Je ne vais pas vous faire le jeu, ce jeu-là non plus, mais vous pourrez le faire chez vous. C'est cette question et à la fin, on voit dans quelle mesure on a bien respecté la ligne éditoriale du journal pour lequel on travaille. Voilà, vous avez aussi dans cet espace entraîné des quiz, donc des quiz sur les fake news et puis… donc d'autres défis reporters. Donc je vous invite à, quand vous aurez 5 minutes, à tester ces jeux-là. Et ensuite, donc on arrive à l'espace produire. Oui, donc dans l'espace produire, en fait, une fois que l'enfant a bien compris comment s'informer, la structure d'un article, qui s'est entraîné sur les défis reporters, il peut créer son article. Donc, en fait, au niveau de la plateforme, la création d'articles est très guidée. On a un gabarit à la façon d'un jour une actu, où on va retrouver le titre de l'article, le chapeau de l'article, la sélection d'un visuel avec sa légende et son crédit photo. On peut géolocaliser l'article ou l'information de laquelle on est en train de parler. Et là, on a tout un espace pour écrire son article, puis le publier. Donc là, c'est une interface très guidée dans laquelle l'enfant écrit son article. Alors, au niveau des articles, je vais vous montrer comment ça se présente une fois que l'article a été publié. Donc, par exemple, on va regarder des articles d'une classe avec laquelle on travaille à Londres, donc, une classe de CM1 avec laquelle on travaille, pour vous donner un petit peu une idée du type de publication que les élèves ont produite. Donc là, par exemple, vous avez plusieurs thématiques autour de l'environnement, puisque c'était la thématique que les élèves ont choisi d'aborder. Et sur chaque article, on va retrouver, quand on clique dessus, la structure de l'article avec le titre, qui a écrit l'article, à quelle date, la photo avec sa légende, puis un texte et en bas, la signature des auteurs. Donc, on peut retrouver de cette façon-là qui a écrit l'article. Là, on est sur cette classe qui a travaillé sur l'environnement, mais on a aussi des thématiques très, très différentes qui sont traitées. Donc, on peut aller, par exemple, sur une autre classe, je ne sais pas, par exemple, une classe de CM2, cette fois-ci en France, qui, elle, a travaillé sur son environnement. C'est une classe, par exemple, qui s'est beaucoup intéressée au métier des parents de l'école et qui a mené des interviews. Alors là, bon, on a un militaire, par exemple, un métier à découvrir. Donc, ils ont fait venir une personne dans la classe, ils l'ont pris en photo et ils lui ont posé toutes les questions qu'ils avaient envie de lui poser et ils ont rédigé cet article qu'ils ont publié sur la plateforme des Reporters du Monde. Mm-hmm. Donc, vous voyez, on va trouver tout type de contenu suivant les centres d'intérêt, suivant les classes, les projets de classe qu'on a envie de mener.
Donc ça, c'est sur la partie produire. Et juste pour faire le lien avec ce que dit Marie, là, on a regardé des articles de certaines classes que nous, on a choisi de suivre. Et là, on va vous montrer. Ici, vous avez un picto en haut à droite dans l'interface qui est le picto tableau de bord où vous pouvez choisir donc les classes reporters du monde que vous voulez suivre. D'accord. Donc, en fait, on va choisir par exemple les classes reporters correspondants. Ça, j'arrive dans un espace où il y a toutes les classes qui se sont inscrites sur la plateforme. Donc, vous voyez, c'est assez varié. Il y a des classes en France, il y a une classe à Pondichéry en Inde, il y a une classe, je ne sais pas. Bon, là, il y a beaucoup de classes en France. C'est la rentrée scolaire chez nous qui a poussé à ça. Mais par exemple, si on a très envie de travailler, je ne sais pas, avec une classe, par exemple, qui se trouve au Canada, donc on sélectionne le Canada. Est-ce que je vais le trouver ? On travaille le Canada ? Oui, allez. On lance la recherche. Et là, vous allez avoir accès à toutes les classes ou tous les groupes au Canada qui travaillent sur la plateforme. Super. Donc, vous voyez, ça permet vraiment de sélectionner. Alors, vous, par exemple, je ne sais pas, vous vous dites, ah bah tiens, là, il y a des CM2 à Calgary. Ça pourrait être intéressant d'aller voir ce qu'ils font. Donc, je clique sur leur fiche pour voir ce qu'ils proposent. Alors, eux, je vois qu'ils ont écrit 7 articles qui sont 18 reporters. Donc, ça, on va vous expliquer, mais ça veut dire qu'il y a 18 élèves qui sont susceptibles d'écrire des articles. Ils ont produit un web journal. Voilà, nous sommes 16 élèves d'une classe du CM2. Nous habitons à Calgary, au Canada. Ils sont âgés entre 9 et 11 ans. Ils parlent anglais et français. Enfin, voilà, on a tout un panel d'informations. Donc, on peut se dire, ah bah ça, ce groupe, ce serait intéressant de correspondre avec eux. Donc, on décide de les suivre. Donc là, c'est assez simple. Bon, moi, je suis groupe de démonstration. Hein. Et donc, je décide de les suivre. Je clique comme ça et hop, je m'abonne. Comme dans un réseau social, je suis abonnée aux publications de cette classe. Et donc, je vais retrouver leurs publications dans la partie reporter du monde. Dès qu'ils vont publier des articles, je vais pouvoir sélectionner leur groupe et suivre leurs publications. Et après, je peux aussi échanger avec eux. Super. Voilà. Après, donc ça, c'est vraiment les aspects de la plateforme, comment on correspond, comment on peut être en lien ensemble. Après, c'est vrai que cette plateforme, il y a tout un accompagnement pour les enseignants qui a été mis en place et qui est très important. Donc, dans cet accompagnement, la première chose, c'est les groupes reporters, ce qu'on a appelé les groupes reporters. En fait, en tant qu'enseignant, je suis le rédacteur en chef. Et je vais aller dans un espace où je vais pouvoir créer un groupe. Donc, ça aboutit aux petites fiches que je viens de vous montrer. Donc, dans ce groupe, je vais donner des informations. Dans quel pays je me trouve? Dans quelle ville? Quelle structure? Est-ce que je suis une école? Quel âge ont les enfants reporters? Après, je vais créer des comptes pour les enfants de ma classe ou les enfants de mon groupe. Donc, chaque enfant va avoir un pseudo. Je peux en créer autant que je veux. Et il y aura un mot de passe commun pour tout le groupe. Donc ça va permettre, Jean-Luc vous montrera tout à l'heure, comment un enfant peut se loguer dans un espace qui lui est dédié pour produire des articles. Donc ça, c'est le rédacteur en chef qui gère ça. Et après, il y a une partie où on accepte de participer aux correspondances, c'est-à-dire d'accéder à toutes les fonctionnalités que je viens de vous montrer, c'est-à-dire pouvoir lire les articles des autres classes ou pouvoir suivre des classes qui nous intéressent. Donc ça, c'est dans la partie rédacteur en chef, dans la partie tableau de bord. On va trouver aussi dans cette partie, ce qui est important, c'est tout l'accompagnement pédagogique. Donc, sur cet accompagnement pédagogique, vous allez par exemple trouver un livret pédagogique qui reprend toutes les explications qu'on vient de vous donner, qui va un petit peu plus loin sur le guide de l'utilisation et la mise en œuvre de la plateforme. On a travaillé aussi sur des propositions de parcours pédagogique. Donc, il y a un parcours très libre, un peu comme celui qu'on vient de vous montrer, où on va aller fureter, sur s'informer, s'entraîner, produire quelques articles. Ou alors, il y a un parcours beaucoup plus guidé, avec des fiches pédagogiques, où là, on va faire une proposition sur l'année scolaire. En septembre, et bien, vous commencez par la fiche numéro 1, le défi reporter, vous écrivez une série d'articles. Et à chaque période de l'année scolaire, vous avez une proposition d'outils pédagogiques qui va accompagner la production des élèves. Mmh. Et ces fiches, vous les retrouvez ici.
Donc, par exemple, vous avez la première fiche, répondre aux questions qui, quoi, où, quand, pourquoi, que vous a montré Jean-Luc tout à l'heure. Et par exemple, cette fiche, ça va vous apprendre à structurer un article et il y a une proposition de travail autour de l'alimentation. C'est une thématique qu'on a choisie, donc c'est très guidé, mais ça permet vraiment à l'enseignant d'être accompagné sur ce défi reporter où il va travailler cette compétence journalistique et la mettre en œuvre et la mettre en place dans l'écriture d'articles avec sa classe sur le thème de l'alimentation, par exemple. D'accord. Marie, comme on a beaucoup de questions et pour avoir le temps de les traiter, est-ce qu'on peut vous laisser une minute pour peut-être finir votre présentation avant de pouvoir prendre les questions ? Ça vous va ? Tout à fait. Très bien. Eh bien, je pense qu'on a quasiment fini. Peut-être qu'on peut montrer comment… Les tutos aussi. On a quasiment fini. Hein. Donc, en fait, ici… comment travailler avec des enfants sur la plateforme. On a une vidéo d'une enseignante avec laquelle on a l'habitude de travailler et qui l'année dernière était une classe test sur la plateforme d'éducation aux médias. Donc, on la voit travailler sur la plateforme avec ses élèves. Donc, ça, c'est vraiment une activité en classe. Ça peut donner des idées et ça peut donner envie aussi. Après, on a des tutos, par exemple, comment créer mon premier groupe. Donc ça, c'est vraiment des tutos qui permettent d'être guidé pas à pas pour créer son groupe d'élèves reporters et après pouvoir publier sur la plateforme d'éducation aux médias. Voilà, et après, comment créer son bon journal. Je pense qu'on a fait un tour rapide, mais assez complet. Donc on est tout à fait disponible pour toutes les questions. Colline, on vous écoute. Alors. Les questions qui ont été posées, c'est Charlotte qui va vous les adresser. Charlotte vient d'arriver dans l'équipe épreuve à l'Institut français de Paris et la voici. Elle a réuni vos différentes questions. Bonjour. Bonjour Charlotte. Au fur et à mesure du webinaire, je te laisse la place. Très bien, merci. Alors, je vais essayer de vous poser les questions par grande thématique. D'abord, une thématique qui concerne la connexion et l'accès donc, à Un jour une actu. Est-ce que vous pourriez nous rappeler donc, comment on crée un compte sur Un jour une actu et comment on se connecte Un jour une actu? Bien. Alors, d'abord, la première information, donc, c'est une plateforme qui est entièrement en accès libre, donc il n'y a rien à payer, hein, c'est entièrement en accès libre. C'est une plateforme qu'on a préfinancée, on va dire. Ensuite, c'est une plateforme qui n'est pas offline. Il faut une connexion Internet. Il ne faut pas télécharger, le regarder. Pour se connecter, donc là, je vais vous le montrer. Nous, on est rentrés, on était déjà connectés. Je vais me déconnecter. Voilà, là, je suis déconnecté. Et quand vous arrivez la première fois, avec l'adresse reporter.unjourunactu.com, vous avez juste cet écran. Vous cliquez sur « Se connecter ». Et là, vous avez deux façons d'entrer dans la plateforme. Rédacteur chef, c'est ce que je vous ai montré. Et reporter, c'est l'enfant. C'est la même interface avec un peu moins de fonctionnalités. Si je clique sur reporter, juste pour vous montrer. Là, on a un compte, on connaît le compte. Hein. Donc là, c'est par rapport au profil reporter qu'on a créé dans son groupe. Vous voyez ici le picto. Tableau de bord a disparu, donc l'enfant, lui, ne peut pas choisir d'être en lien avec des classes à travers le monde. C'est vraiment que l'adulte enseignant qui administre son groupe de reporters. De la même manière, quand l'enfant il produit un article, à la fin, il ne peut pas le publier tout seul de son propre chef sur la plateforme. Il doit l'envoyer pour relecture et validation. Et dans le tableau de bord que vous avez vu tout à l'heure, l'enseignant responsable de son groupe de reporters valide ou pas l'article après avoir relu qu'il n'y avait pas de faute d'orthographe et pas de grosses erreurs. Voilà pour la partie connexion. Et si je me déconnecte à nouveau, et que. Donc pour créer un compte, c'est tout simple. Là, donc moi, je me suis connecté avec mon email et mon mot de passe. Là, quand on n'a pas encore de compte, vous avez juste ces quatre champs-là à remplir, un email, un mot de passe que vous confirmez, nom, prénom. C'est tout ce qu'il vous faut pour entrer et accéder à cette plateforme d'éducation aux médias et à l'information. Un email, un mot de passe, un nom et un prénom. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez créer votre compte. Vous pouvez donc accéder librement aux espaces, s'informer, s'entraîner. À partir du moment où vous souhaiterez produire, il faudra créer un groupe reporter. Et ce groupe reporter, comme on vous l'a montré, il doit dépendre d'une structure réelle. Et nous, on a 48 heures pour valider
que le groupe existe bien. Donc là, il y a un délai, il y a une modération pour valider les premiers groupes pour thème. C'est l'interface que je vous ai montrée tout à l'heure qu'il fallait renseigner avec le nom du groupe, le prénom, la localisation. Et c'est cette partie-là qui est validée par nos soins. En fait, on s'assure qu'on a vraiment que des structures, écoles, enfin de ce type-là, qu'on n'a pas de particuliers qui sont inscrits sur la plateforme. Parce que notre idée, c'est vraiment que ce soit des groupes qui correspondent les uns avec les autres. Est-ce qu'on a répondu à la question ? Je pense que oui. Ça me fait quand même rebondir sur une autre question qui a été posée justement au niveau de la validation et de la modération. Est-ce que vous modérez également les articles ou est-ce que c'est vraiment à la main des professeurs à ce niveau-là quand il y a des articles qui sont écrits par des classes ? Alors, effectivement, nous, on a choisi de ne modérer que le groupe, c'est-à-dire être certain que les gens qui interviennent sur la plateforme travaillent dans une structure pédagogique réelle. Par contre, les articles publiés ne sont pas modérés par nous. On surveille et qu'il n'y a pas de choses problématiques. En fait, on surveille qu'il n'y ait pas de dérives, que tous les articles soient bien francophones. Voilà. Donc, on va lancer des alertes aux personnes qui ont écrit des articles qui ne conviennent pas. On surveille que les photos sont créditées, on surveille qu'il y a des articles publiés. Donc ça, on va faire une petite surveillance, mais après, il n'y a pas de modération au sens on ne relit pas tous les articles. On ne relit pas. D'accord. Et là, c'est à discrétion du rédacteur en chef, voilà. Puisque la responsabilité de la publication repose sur le rédacteur en chef. Et c'est pour ça aussi qu'on va lier des groupes, puisque le groupe, c'est un adulte qui le porte. Et c'est lui qui est responsable de la publication de son groupe d'élèves. Très bien. C'est tout à fait. Alors, juste quelques questions de plus très rapidement. On a pas mal de personnes qui nous ont demandé si les vidéos étaient téléchargeables. Les vidéos ne sont pas téléchargeables. Les vidéos, elles sont online. On peut les voir ici, donc sans publicité. On a également une chaîne YouTube où on peut les voir. Et on peut les voir sur unjourunactu.com. Et après, comme je vous disais, elles passent à la télévision chaque jour. Par contre, sur France 4. Par contre, elles ne sont pas téléchargeables. OK. Et est-ce qu'il y a des ressources qui sont mises à disposition justement des enseignants qui voudraient exploiter les vidéos pour les aider justement à utiliser ces supports en classe pour les traiter d'une manière ou d'une autre? Alors au niveau des ressources, on a travaillé sur une mallette pédagogique, sur le débat en classe. Donc en fait, l'idée c'est qu'à partir de ces vidéos, on a sélectionné une quarantaine de mots. Parcours de débat libre où chaque semaine l'enseignant peut diffuser une vidéo en classe et repérer avec les enfants les arguments de la vidéo. Donc il y a un petit travail d'une demi-heure chaque semaine. Et après, dans cette proposition de mallette pédagogique, il y a trois débats guidés, trois grands débats sur des thématiques où là on dissèque vraiment la vidéo et on travaille les arguments. Il y a toute une proposition derrière de personnages et de jeux de rôle pour apprendre à argumenter et à débattre sur ces vidéos. Donc ça, c'est vraiment un travail intéressant qui est plutôt cycle 3, qui est plutôt sur le débat en classe. Après, c'est vrai que c'est des vidéos sur lesquelles on travaille assez régulièrement aussi. Mais... Après, pour compléter ce que dit Marie, on ne va pas avoir évidemment une fiche d'accompagnement par vidéo, mais sur l'espace enseignant du site unjourunactu.com, vous avez également un livret de l'enseignant où vous avez une méthodologie pour travailler autour des vidéos, un jour de questions. En classe. Ouais. Très bien, merci pour toutes ces précisions qui répondront donc à un certain nombre de questions qui ont été posées pendant le webinaire. Colline, tu veux revenir pour la petite conclusion? Oui. Simplement pour vous dire que sur IF Prof, dans la semaine, vous pourrez retrouver la captation de cette vidéo. Et on a un groupe, en fait, on met en ligne tous les webinaires IF Prof. Donc, si vous avez envie de le revoir, vous pourrez rejoindre ce groupe webinaire IF Prof. Et vous retrouverez cette vidéo.
Si vous pensez aussi à peut-être devenir collègue avec le profil de notre partenaire Un jour une actu, et si jamais vous, on espère que ça vous a donné envie de tester l'éducation aux médias dans vos classes, si vous faites des expériences à partir d'Un jour une actu, les reporters du monde, n'hésitez pas à le raconter sur IFPROF. Vous savez que vous pouvez déposer une publication qui s'appelle Info avec la catégorie retour d'expérience, et je pense que ça nous intéressera tous. On aura envie de savoir comment ça s'est passé dans vos classes. Vous avez vu avec moi, à mes côtés, une troisième personne. On voulait simplement vous montrer les visages des trois personnes qui travaillent actuellement sur IFPROF à Paris. Donc, vous avez Julien Chambon à ma gauche et Charlotte Béziat à ma droite. On voulait simplement que vous puissiez... on voit, on travaille tous les jours sur IFPROF. Et pour terminer, on voudrait remercier beaucoup nos deux invités pour toutes les informations qui sont vraiment très intéressantes. Il y a d'ailleurs eu beaucoup de commentaires dans le chat sur l'utilité en fait de tous ces supports pour la classe. Vous êtes déjà nombreux à les utiliser. Et on vous remercie aussi tous les participants au webinaire IFPROF. On en fera un prochain dans un mois environ. On annoncera la thématique bientôt sur les réseaux sociaux. Eh bien, à bientôt. Merci beaucoup, merci. Pauline. Et merci. On vous dit au revoir. Et merci à tous. Merci, au revoir et à bientôt sur la plateforme. Au revoir. Les gens qui quittent. Attends, je crois qu'on est toujours en ligne. Nous, on est encore là.